Puis-je connaître le poids du fœtus en fonction de la date de grossesse? Le poids de mon fœtus est-il correct? L'échographie est-il fiable? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Ce sont des questions qui reviennent souvent, car dans un principe de projection, s'imaginer le fœtus, le futur bébé, passe bien évidemment par ses caractéristiques physiques. De plus, c'est un paramètre clinique qui donne généralement des informations sur l'état de santé, même s'il ne faut pas oublier de l'intégrer dans une clinique globale. C'est donc à la fois légitime et surtout possible par un examen très développé dans un certain nombre de pays, à savoir l'échographie. Gardez en tête que l'échographie donne seulement une estimation. En effet, cette estimation connaît une marge d'erreur d'en moyenne 5%, avec, dans 70% des cas, moins de 10% de marge d'erreur, et pour les 30% restants, souvent dans des gros poids, une marge pouvant dépasser les 10% d'erreur. Avant de commencer, il est nécessaire de comprendre qu'il y a pas mal de variations en fonction des sources. J'ai donc pris pour cette vidéo des chiffres d'une référence de 2017 internationale et reprise par l'OMS, l'Organisme Mondial de Santé. À partir de la 14e semaine d'aménorrhée et pour les semaines qui suivent, je vous donnerai un intervalle de poids avec un poids minimal et un poids maximal. Enfin, pour que vous puissiez naviguer plus aisément et revenir sur la vidéo en fonction de l'évolution de votre grossesse, je vous suggère de vous servir de la fonctionnalité de chapitrage qui vous permettra d'aller directement sur votre date de grossesse, que vous pouvez connaître via cette vidéo. Ce chapitrage est accessible via la description, le commentaire épinglé ou directement sur la timeline de la vidéo. À 14 semaines d'aménorrhée, soit 12 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 70 et 113 grammes. À 15 semaines d'aménorrhée, soit 13 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 89 et 144 grammes. À 16 semaines d'aménorrhée, soit 14 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 113 et 181 grammes. À 17 semaines d'aménorrhée, soit 15 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 141 et 225 grammes. À 18 semaines d'aménorrhée, soit 16 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 174 et 278 grammes. À 19 semaines d'aménorrhée, soit 17 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 214 et 340 grammes. À 20 semaines d'aménorrhée, soit 18 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 260 et 413 grammes. À 21 semaines d'aménorrhée, soit 19 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 314 et 497 grammes. À 22 semaines d'aménorrhée, soit 20 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 375 grammes et 595 grammes. À 23 semaines d'aménorrhée, soit 21 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 445 grammes et 705 grammes. À 24 semaines d'aménorrhée, soit 22 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 523 et 830 grammes. À 25 semaines d'aménorrhée, soit 23 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 611 grammes et 970 grammes.
à 26 semaines aménorrhées, soit 24 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 707 grammes et 1,125 kg. À 27 semaines d'aménorrhée, soit 25 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 813 grammes et 1,295 kg. À 28 semaines d'aménorrhée, soit 26 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 929 grammes et 1,481 kg. À 29 semaines d'aménorrhée, soit 27 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,53 kg et 1,682 kg. À 30 semaines d'aménorrhée, soit 28 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,185 kg et 1,897 kg. À 31 semaines d'aménorrhée, soit 29 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,326 kg et 2,126 kg. À 32 semaines d'aménorrhée, soit 30 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,473 kg et 2,367 kg. À 33 semaines d'aménorrhée, soit 31 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,626 et 2,619 kg. À 34 semaines d'aménorrhée, soit 32 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,785 et 2,880 kg. À 35 semaines d'aménorrhée, soit 33 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 1,948 et 3,148 kg. À 36 semaines d'aménorrhée, soit 34 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 2,113 kg et 3,422 kg. À 37 semaines d'aménorrhée, soit 35 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 2,280 et 3,697 kg. À 38 semaines d'aménorrhée, soit 36 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 2,446 et 3,973 kg. À 39 semaines d'aménorrhée, soit 37 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 2,612 kg et 4,247 kg. À 40 semaines d'aménorrhée, soit le terme, 38 semaines de grossesse, le fœtus fait entre 2,75 kg et 4,515 kg. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.